aujourd'hui on est arrivé à notre 10e édition du salon de culinaire à l'hôtel de Canonier. Et la motivation est là, toute l'équipe a donné maximum d'eux-mêmes. On a 6 équipes qui participent au niveau de cuisine, restaurant et du bar. Et tous ces jeunes ont vraiment donné une satisfaction incroyable. Il y a la motivation est là et la créativité est là. Au niveau de cuisine, les entrées, il y a des produits imposés. Comme aujourd'hui, on a l'ourip qui est imposé. Il doit absolument travailler avec de l'ourip qui est bien local de chez nous. Et là, il y a des créations, des salades d'ourip, des pâtes faites d'ourip, vraiment des idées qu'on n'avait même pas pensé. C'est super. Au niveau plat principal, on a le canard qui est imposé avec des légumes comme les pipangailles qu'il doit travailler avec. C'est pour les inciter un petit peu à travailler tous ces produits locaux et de développer des recettes et leurs connaissances en même temps avec ces produits-là. Ben, je peux vous dire, les assiettes qui ont sorti, on peut le mettre directement sur la carte. C'est vraiment très très bien fait. Au niveau de dessert, le produit très demandé par nos clients, le fruit de la passion, qu'on a tendance à oublier. Mais aujourd'hui, on a mis 2 produits, c'est le fruit de la passion et le chocolat. Ben, encore une fois, et moi-même, j'ai été surpris par les saveurs, les goûts que j'ai goûtés dans ces assiettes. Au niveau des jurys, on a pris tous les jurys des autres hôtels, personne du Canonier et dans le membre du jury. C'est pour aller au maximum de la partialité. Et là, même les jurys ont été impressionnés. Ils ont appris des choses eux aussi. La compétition se déroule en même temps. Et il y a des jurys pour le pain, des jurys pour le dessert, des jurys pour la cuisine, pour la table, pour le cocktail. Tout ce bon monde est là et on a plein d'invités. On va tourner dans les 75 personnes qui aura l'occasion de goûter à ce menu. Et tous ces produits-là, c'est de mettre en valeur la touche mauricienne, la cuisine locale devant, avec le côté chic, avec le côté la cuisine scientifique qu'on maîtrise au Canonier, qu'on a formé par des scientifiques français. Ben, c'est rajouter la cuisine locale et de la science. C'est un petit peu le thème d'aujourd'hui avec ces assiettes qu'on a essayé de préparer. Ben, là, on va essayer de faire tous nos invités voir toutes ces assiettes-là, de pouvoir goûter à ces assiettes-là et donner leurs impressions et d'inspirer. Comme on a beaucoup de gens de l'hôtellerie de Maurice qui sont là aujourd'hui, les acteurs de l'industrie touristique, ben, c'est une occasion pour eux de découvrir que ce qu'on peut faire avec notre cuisine. On a plein de saveurs, on a plein d'idées. Ben, je pense que c'est le moment de valoriser notre cuisine, notre patrimoine culinaire à Maurice. Dishan, de l'hôtel Canonier, Beachcomber. Alors, je suis très fier de participer dans cette compétition. Ça nous fait rappeler nos ancêtres. Pour nous, ça représente notre patrimoine mauricien, nos valeurs et nos cultures. C'est ça qu'on est en train de mettre sur l'assiette. On travaille avec des salmis, avec des épices, avec des légumes locaux. C'est ça qu'on est en train de travailler pour notre compétition, pour mettre en valeur l'île Maurice. Cette compétition est importante pour moi, pour montrer les valeurs, les saveurs de l'île Maurice au monde international.